et elle débarque. Alors, je suis dans la description parce que c'était la guerre. Je me rappelle, genre, Jeanne me mordait l'épaule. Elle débarque en survêt de peau de pêche, ouais. Ouvert avec les pectoraux ici. Ouais, et Jeanne me mord l'épaule. Il me dit, oh, c'est une folie. Et la meuf kiffe les bad boys et elle dit, je veux voir Jeanne dans la chambre. Mais donc lui, quoi, il savait que c'était pour ça qu'elle Attends, venait. Il savait pas du tout. Pause. Oh, ouais. S'est-il passé quelque chose entre Jeanne et Maria Carey? Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures, et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h, sur VL. J'ai une petite question. Bien sûr, vas-y, laisse-y, je t'en prie. Parce que toi, t'étais un tueur, donc ils étaient, à mon avis, très contents de chanter avec toi, mais typiquement, quand on leur balançait un... J'adorais Jérémy, encore une fois je le dis, hein, mais qui savait pas chanter. Ou je Georges sais Alain, pas, Georges Alain. Ah. Est-ce que honnêtement il faisait un peu la tronche ou pas? Attends, ils ont mis Georges Alain avec Maria Carey. Hein. Alors, en vrai, je crois, si je ne me trompe, que ce sont les stars qui nous choisissent. Ah ouais? Voilà. Parce que certains regardent le programme. Et elle arrive chez Skyrock. Et elle entend parler de Georges Alain, Bad Boys, Georges Alain, Bad Boys. Et elle dit, mais qui est ce Georges Alain? Donc le mec lui montre et compagnie. Et là, boum, elle dit, ok, je débarque au château, je veux le voir. Que nous on l'a en plein cours. Se rend compte. Et la voix off dit les élèves vite dans le salon. Ah, c'était même pas prévu. Pas du tout. Pas du tout. Et elle quitte Skyrock et elle débarque au château. Donc Alexa arrive, elle dit bah écoute, on a une invitée qui veut rencontrer Nolwenn et elle a un gros kiff sur Georges Alain. Ok. Incroyable. Bon. Et là boum, ils disent bah ne vous retournez pas, restez là, on va placer des lumières. Donc lumière en contre-jour parce qu'elle voit le délire des américaines et américains. Elle veut pas qu'on la regarde, donc en fait nous on est éblouis. Elle peut nous voir, mais nous on la voit pas, on ne voit qu'une silhouette. Mais c'est incroyable. Les gens s'en foutent. Et elle débarque. Alors je suis dans la description parce que c'était la guerre. Je me rappelle, genre Jeanne me mordait l'épaule. Elle débarque en survêt de peau de pêche, ouvert avec les pectoraux ici, et Jeanne me mord l'épaule. Il me dit, oh, c'est une folie. Et la meuf kiffe les bad boys et elle dit, je veux voir Jeanne dans la chambre. Mais donc lui, Jeanne, c'était pour ça qu'elle. Pause. Oh ouais, s'est-il passé quelque chose entre Georges Alain et Maria Carey? Non, parce que je crois qu'ils ont montré l'interview, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle lui demande de monter dans la chambre. Elle lui dit, j'ai entendu parler de toi, t'es un bad boy, j'adore les bad boys et compagnie. Lui, il est timide de folie. Mais il a dû bégayer. Ah ouais. Mais non, mais folie. On fait le prime, et là, la meuf, soudainement pète une urite et elle dit ok je me barre du programme et elle prend Georges Alain là où on est assis sur les bancs, elle le prend et se barre. On s'en souvient, et les agents de sécu non il peut pas partir et compagnie et moi je le regarde, il me regarde, je dis barre-toi. Bah oui, saisis la chance de ta vie, la chance de ta vie. Non mais elle devait mouiller dans sa culotte et Maria, folie parce qu'il y a plein de stars internationales comme ça qui ont eu des coups de speed. Et qui, tu vois, et Maria Carey, elle, son kiff, c'était Georges Alain. C'est la guerre. Je me souviens, ça avait fait quand même les choux gras un peu. Hein, mais, on en avait mais parlé. C'est-à-dire que. Donc, ça s'est rien passé du tout. Non, mais moi, j'aurais été élu, j'aurais été, enfin, frère. Ah, bah, tu m'étonnes. Tu te fais kidnapper par Maria Carey, frère, t'y vas. Ah, ouais. Incroyable. Meilleur kidnapping de France. Et quel est ton meilleur souvenir de duo, du coup? Si tu devais en choisir qu'un dans cette Starac. Un seul? Ouais, Phil Collins. Ouais. Phil Collins, pour la suite, pour l'histoire, pour l'humain, pour le naïf que je suis, fan de soul music à cette période-là, qui ne connaît pas Genesis, qui ne connaît que Another Day in Paradise, tu vois. Et puis tu débarques chez ce mec-là, comme je vous expliquais, tu manges des pâtes dans sa cuisine, et t'es chez Phil Collins. Puis même sur le Prime, en direct, il est en pull, en jean, comme il est venu en la veille, basket. Et après le duo, il prend son bonnet, son écharpe, et il va s'asseoir avec sa femme dans le public. Et voilà, et il fait on tout adore. Le Prime comme ça, et les gens sont assis à côté de Phil Collins. Et si tu veux, c'est tellement improbable que les gens ne sont même pas hystériques. Ouais. Oui, parce qu'il dégage quelque chose de très normal. Contrairement du coup à Maria Carey, du coup, qui est complètement dans l'opposé de ce mais délire. Mais tu sais, comme vous disiez, c'était une période de diva. Donc Maria Carey, c'est un peu normal qu'elle soit dans ce truc-là.